Good morgen, Alei, Dan Letus, aujourd'hui le Nishmat, Mori de Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Aouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, et Risha Batraim Nechemia, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Torayot, Perek Bet, Mishnah, Hey. En Chayavin al Shmiat Akol, Val Bitui Sfataim, Val Tumat Migdash Vekodashav, Val Nasi, Kayotse Bahem, Divré Rabbi Yossi Hagalili. Rabbi Akiva Omer, Anasi Chayav Bekulan, חוץ משמיעת קול, שהמלך לא דן ולא דנין אותו, ולא מעיד ולא מעידים אותו. Donc là, reprendre des introductions qu'on a déjà apprises dans la Mishnah précédente, mais je préfère les répéter à chaque fois, ça permet de mieux assimiler les choses, c'est assez nouveau. Et si possible, essayez de retenir les concepts, de manière à ce que lorsqu'on va dire « Korban olev yored », alors vous avez compris de quoi on parle exactement, ça évitera à chaque fois d'alourdir des phrases. Concrètement, on rappelle d'abord... Il y a deux sortes de chataot dans la Torah, de korban chatat, expiatoire, lorsqu'on transgresse une faute, beshogeg, par inadvertance. Alors, de manière générale, à chaque fois que l'on n'est pas cible de karet, lorsqu'on transgresse consciemment, alors la Torah nous a dit, tu devras apporter une chatat kvua, un chatat fixe, apporter toujours une kisba au seira, une brebis ou une chèvre. Pour certaines avérotes spécialement, la Torah m'a donné la possibilité d'apporter un korban olé veyored. Il monte, il descend, c'est-à-dire selon mon rang social, est-ce que je suis riche ou pauvre, j'apporterai soit une kisba au seira, chef ou brebis, soit au pire, si j'ai pas les moyens, je pourrais apporter des torim ou bnei yona, des pigeons ou des tourterelles, ou encore même une mincha, apporter une oblation de blé. Ça, c'est un korban olé veyored. C'est pour quelques averot spécifiquement qui sont mentionnés à la fin de Vaikra dans le Perek He, notamment ce qu'on va mentionner dans la Mishnah, Shmiat Kol, Bitui Sfataim et Tumat Migdash Vekodashav. On va les reprendre après, mais pour le moment, je continue d'abord l'introduction générale des Chataot. On avait appris deux choses. On avait appris tout d'abord, dans la Mishnah précédente, que sur un korban, sur une faute sur laquelle l'individuel est passible d'un korban chatat kvua, alors si on transgresse, tout l'homme Israël transgresse à cause du Sanhedrin qui nous induit en erreur, on n'apportera plus un korban individuel, mais plutôt un korban national, un par helem davar shel tzibur, un taureau sur le fait que tout le peuple d'Israël s'est trompé à cause du Sanhedrin, ce sera une forme d'expiation différente. Faute plus grave, un corban beaucoup plus solennel. Ouais, un par. Un par à un taureau. On avait appris aussi qu'en parallèle aussi, il y a le Kohen Gadol, qui a été oint Béchamel Amishra, qui a été oint par l'huile d'onction. C'est ce qu'on appelle Kohen Mashiach. Mashiach, ça veut dire qu'il a été oint. Alors lui aussi, il a le même principe. Lorsqu'il transgresse une Avera, sur laquelle on est passible d'un corban Khatat, l'individuel Khatat Gvoa, tout le public par Elam Davar Shem Tzibur, et le Kohen Mashiach lui aussi devra apporter un par, lui aussi. D'accord ? C'était les introductions essentielles qu'on avait appris. Ah oui, avec bien sûr, on avait aussi appris que si toutefois le Ham Israël, l'individuel du Ham Israël, doit apporter un korban olé veyored, un korban, donc un khatat olé veyored, qu'il a la possibilité d'apporter même avec des volailles, alors dans ce cas-là, on avait appris qu'on ne sera plus passible de par Helem Davar Shem Tzibur. Si on a tous transgressé à cause du Bedin sur un type de Avera pareil, alors on n'y aura plus de Korban national. Chaque individuel devra porter lui-même son propre Korban. Probablement le principe, l'idée, quoi, j'imagine, c'est le fait que ce soit une faute moins grave. Puisque la Torah t'a dit, lorsque tu as transgressé, tu pourras porter un Korban, mais je te fais une petite ristourne. Donc ça signifie que c'est un Korban quelque part moins grave. Donc, j'imagine... Le Beth Din, lorsqu'il nous induit en erreur sur une faute pareille, alors la Torah n'a pas imposé d'apporter un korban national pour faire tout ce rituel très solennel, de faire entrer le par, le sang du par, le sang du taureau à l'intérieur du sanctuaire et tout ça. D'accord ? Et idem aussi pour le Kohen Gadol, donc ils ne devront pas apporter, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Maintenant, sur quel type de faute on est passible d'apporter un korban olé veyored ? La Mishnah nous le dit tout de suite, elle inclut tout en même temps en nous disant « En chayavin, on ne devra pas apporter de par Elem Devar Shetzibur ou par Kohen Mashiach
les taureaux que l'on apporte lorsqu'on a transgressé, soit parce que c'est la faute nationale, soit parce que c'est la faute du Kohen Gadol. Alors, ils ne devront pas les apporter s'ils ont transgressé Al Shmiat HaKol. Shmiat HaKol, littéralement, il a entendu la voix. De quoi on parle ? Alors, ceux qui se souviennent de Maseret Shvuot, ils le savent très bien, on parle que on a tous un devoir de témoigner, une mitzvah de témoigner. Lorsque quelqu'un a besoin de mon témoignage, il vient et je lui dis « Non, je sais pas de quoi tu parles », et je lui mets en fait, il a le droit de m'amener au Bedin et de me faire jurer que je ne connais pas. Et si je jure, et qu'en fait j'ai menti, que je connaissais le témoignage, je connaissais un témoignage qui pouvait l'aider, alors la Torah m'a dit que tu devras apporter un korban khatat et olé veyored. Aussi pour la ve'albitouy sfataim. Ve'albitouy sfataim, c'est tout simplement tout type de serment, de shvuot, de serment que l'on pourrait faire. Je jure que je ne vais pas manger de carottes aujourd'hui, finalement j'ai mangé une carotte, je devrais apporter un korban. D'accord ? De nouveau, quel type de korban ? Olé veyored. Un khatat que je peux apporter avec, même avec des tourterelles ou même avec une oblation si je n'ai pas d'argent. Et idem encore pour le Ve'al Tumat Mikdash Ve'Kodashav. Pour celui qui entre au Bet HaMikdash en étant impur, alors là aussi la Torah nous a dit qu'il devra apporter un korban, olé ve'yored. Si vous faites attention, c'est explicite dans Vaikra, hein, dans Perekhe, si ça vous intéresse, bientôt on va commencer le livre de Vaikra. Alors, ce sera l'occasion, vous pourrez lire et comprendre. Et c'est super, ça fait plaisir de lire et de comprendre. Quand on lit des corbanotes, tu prendras le sang, tu prendras les graisses, tu les feras, et on a du mal un peu à se situer. En fait, vous verrez que c'est très bien structuré. On est dans le Perekhe de Vaikra. La Torah commence en nous disant, Perekhe, Venefesh Kitecheta, quelqu'un qui fautera, Veshama Kol Allah, il entendra une voix qui le maudira, c'est-à-dire en fait, Veu Ed Ora, donc c'est le corban de Shvuat Haedut qu'on a mentionné le premier corban. Et le pasouk d'après, Onefesh, Asher Tiga Bechol Davartame, quelqu'un qui touchera une impureté, et qu'après il rentrera au Bet Amigdash, ça c'est le troisième corban qu'on mentionnait. Et après on mentionne, Onefesh Kitishava dans le pasouk d'Alet, Onefesh Kitishava le Batem Isfataim, Lahara Olativ, quelqu'un qui jurera, qui devra faire une chose ou ne pas la faire. Donc c'est ce qu'on appelle la joie de bitouille, donc les trois corbanotes, ils sont mentionnés, c'est ceux qui sont mentionnés ici. Et la Torah elle nous donne, tu apporteras une kisbo seira, et après, vim lotagi yadot deise, alors velatrash tetori moshne benayona, et après, même s'il n'aura pas d'argent, il pourra aussi apporter une oblation. D'accord ? Donc vous verrez que c'est méfrage dans les psukim. Donc on continue donc la Mishnah. Donc, la Mishnah maintenant, pour ces trois types de averot, puisqu'on apporte un corban olé veyored, la Torah nous dit, la Mishnah nous enseigne, eh bien, sache qu'on n'apportera pas un par Helem d'Avar Shem Tzibur. Si on s'est tous trompés à cause du Sanhedrin, le Sanhedrin ne devra pas endosser la responsabilité et apporter lui-même le Korban, mais plutôt chaque individu l'apportera. Et idem aussi, on parle au pluriel, donc on inclut aussi que le Kohen Mashiach ne devra pas non plus apporter de Korban Olé Veyored. Et la question est de savoir pourquoi. Mais avant, on va continuer encore un petit morceau de phrase. Ve'anasi kayotse bahem. Et le Nassi, littéralement le Nassi c'est le président, mais qui représente en fait la tête du peuple, celui qui dirige le peuple, donc le roi. Ben, Nassi kayot sebem. Et le Nassi non plus ne devra pas apporter de korban. Divrei Rabbi Yossi à Galilée, tel est l'avis de Rabbi Yossi à Galilée. Et on explique d'abord qu'est-ce qui veut dire le Nassi. Le Nassi c'est le président, le roi. On aura l'occasion d'en parler dès la prochaine Mishnah, de mettre le zoom sur lui pour les corbanotes particuliers qu'il a apportés. Pour le moment, ce n'est pas la peine d'entrer dans trop de détails. Rabbi Yossi à Galilée, il a un principe simple. La Torah m'a dit, tu sais, tu apporteras le corban, tu apporteras une kisba au Seira, et si tu n'as pas d'argent, tu apporteras Shtetorim au Shene Bene Yona. Tu apporteras des tourtereaux ou des tourterelles ou des pigeons. Et si tu n'as pas d'argent, tu apporteras aussi une oblation. Or, il y a deux personnes dans le peuple qui ne peuvent pas ne pas avoir d'argent. Ils sont obligés d'être riches. Et même s'ils n'ont pas d'argent, le peuple entier a un devoir de leur donner de l'argent. Qui sont le roi et le Kohen. Kohen Gadol. On a tous le devoir de leur donner de l'argent. Si toutefois, ils sont pauvres et qu'ils sont aptes à diriger, eux, le peuple, et ben on a le devoir de leur donner de l'argent. Donc, ils peuvent. Donc, ça n'existe pas que ces personnes apportent un korban au léveilleret en apportant le dalé d'alout. En apportant le korban le plus bas. Or, il y a un pasouk explicite dans la Torah
qui finit, c'est-à-dire une fois que la Torah, elle a fini de mentionner les trois formes de korban lorsqu'on est passible d'un korban olé veyored, la Torah me dit que... je ne sais plus, en tout cas la Torah elle me dit, elle conclut en me disant, je crois que c'était ici, « Mais ça va marcher avec Réper Alav HaKohen, Al-Khatato, non c'était pas lui. » Bon, bref, il y a un pasouk, je ne le retrouve plus là, c'est pas grave. Il y a un pasouk qui les met tous en corrélation, qui est un Ekesh, le mot m'échappe, c'est pas grave, qui les juxtapose. Un pasouk les juxtapose en lui disant, donc quelqu'un qui ne peut pas apporter une des trois sortes, qui n'est pas concerné par une des trois sortes, il sera dispensé d'apporter les trois sortes. Donc il sera complètement dispensé d'apporter un korban. C'est le même principe pour le Kohen Gadol et pour le Nasi, le roi. D'accord ? Ça, c'est la vie de Rabbi Yossi Haglili. Je vous introduis tout de suite Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Avant de le voir dans les mots, ce sera plus facile. Là, on a tout de suite Rabbi Akiva qui va discuter, qui va nous dire... Non, Rabbi Akiva, il va nous dire, écoutez-moi bien, le Nasi, il devra apporter les korbanot. Je ne suis pas d'accord avec toi, le fait de juxtaposer les trois à la chôte, mais malgré tout, le Kohen Gadol, lui, sera dispensé d'apporter les korbanot, pour une certaine raison qu'on va expliquer ensuite. Et il va nous dire, et sachez quand même aussi un autre petit détail, le Nasi, on a rapporté trois types de korbanot sur lesquels on est passible d'un korban olé veyored. Sachez qu'il y en a un des trois que le Nasi n'est toutefois pas concerné, c'est le Shmiat HaKol, le témoignage, faire jurer le témoin, parce que le Nasi, il n'est pas concerné par les lois des témoignages, étant donné qu'on ne peut pas le juger, il ne peut pas lui-même juger, il ne peut pas témoigner, on ne peut pas témoigner contre lui. D'accord ? On fait ça tout de suite dans les mots maintenant, et après, on complète un peu mieux. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Anasi Chayav Bekulan. Le Nasi, le roi, il est passible d'apporter tous les korban olé veyored, qui concernent, alors s'il a juré et qu'il a menti, il avait juré qu'il n'allait pas manger aujourd'hui du chocolat, et finalement il a mangé du chocolat, il devra apporter un korban olé veyored. Et idem aussi, s'il était impur et qu'il entrait au Beth Amikdash, il devra apporter un korban olé veyored. C'est faux de juxtaposer les trois korbanot, les trois formes, en disant que si tu n'es pas concerné par un, tu apporteras rien du tout. Non, il ne faut pas les juxtaposer. Et donc, certes, il n'est pas concerné par le korban du pauvre, mais il apportera leur korban comme un riche. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour le Nasi. Mais par contre, le Kohen Gadol, ça c'est entre les lignes, c'est plus écrit. On continue d'abord sur ce qui est écrit. Anasi, le roi, il est chayav de tous, chutz mishmiat kol, à l'exception du korban que l'on apporte lorsqu'on nous demande de jurer et qu'on ment et qu'on dit qu'on ne connaît pas le serment. Pour quelle raison? Shamelech lodan velodan inoto. Car le roi ne peut ni juger, ni se faire jurer, l'omeid velomeid inoto. Ni témoigner, ni on peut témoigner contre lui. Puisqu'il n'est pas concerné par tout ce qui se passe au tribunal, de ce fait, on ne peut pas, si on fait jurer un roi, jure que tu connais un témoignage, et qui dit non, je ne connais pas de témoignage, ce ne sera plus considéré comme un témoignage, comme la transgression de ne pas témoigner en jurant, donc il sera dispensé d'apporter un korban. Ok ? Entre les lignes de Rabbi Akiva, on déduit que le Kohen Gadol, il sera toutefois dispensé d'apporter le korban. Ça, c'est déduit, malgré tout, parce que là-bas, il rapporte le Varte Noir, il rapporte un limoud un petit peu spécial qui est lié au fait qu'il n'est pas concerné par l'oblation. Et donc, ça vient d'exclure complètement de la paracha. Bon, c'est un limoud que Rabbi Akiva a. Quelque chose de très important à retenir, c'est que finalement, là, la halakha n'est ni comme Rabbi Yossi Haglili, ni comme Rabbi Akiva, mais plutôt comme Chachamim qui ne sont pas mentionnés dans la Mishnah, qui pensent que le Nasi, comme le Kohen Gadol, devront toujours apporter un korban olé veyored s'ils ont transgressé, et même sur la shmiat kol, c'est rapporté ici à la fin du Barthé Noara. Je vous le lis si vous voulez. Ven alacha kerabi akiva velo kerabi yossi. L'alacha n'est ni comme Rabbi Akiva ni comme Rabbi Yossi. Elle a kohen mashiach venasi, qu'il s'agisse du kohen gadol ou du nasi du roi. Chayavin korban olé veyored. Al shmiat kol ve'al bitou isfataim ve'al tomat migdash. Voilà, c'est une phrase vers la fin du Barthé Noara. Je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est pas la peine de lire plus. Donc, en fait, le Chachamim pense qu'il ne faut faire aucune de ces déductions de juxtaposer des corbanotes et des soulagements, des ristournes qu'on a fait. C'est pas la peine de les juxtaposer, puisqu'ils pourront toujours apporter le corban du riche, et bien qu'ils apportent au moins le corban du riche pour se expier leur faute. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.